met Fulci Rumble et il aura fait son job. Ah, ça va être dur pour lui de briller, mais il a un excellent Jarvan. Hein. Là, celui de l'époque était très très bien. Ça devait pas être BDSA en quart. Bah là, on est en huitième de finale, frérot. On est en huitième de finale, donc on verra qui on affrontera en quart. Mais tout d'abord, il faut gagner ce match, les amis. Attendez deux secondes. Allez. On met la bête. Les gars, je l'ai poké et tout. Je sais pas s'il est là. Je pense qu'il dort. Je pense qu'il est sous sieste ténébreuse aussi. Je lui ai envoyé un SMS. Alors attendez. La bête, frère. Je rename la bête sur mon. Un texto. Je lui ai envoyé un texto. Magnifique ce Q-spell. Ça rebondit sur les deux joueurs. On peut pas rêver mieux. Si on peut rêver mieux. Un Q-spell qui tue le creep et qui rebondit sur la tête du Ez. Allez, un peu dagueux. Oh, très bon trade celui-là. Très très bon trade. En plus, il prendra pas de get back. Là, c'est du 100% win comme trade. Passage niveau 2 en plus. L'Azeri qui va match. Dommage, le Q-spell qui va pas connecter pour un peu dagueux. Là, il avait déjà mis une très bonne pression. Après, elle a toujours sa potion. Cette Zeri, elle pourra régén. On va voir le match-up de Mainter. Hein, parce que du coup, normalement, tu piques Rumble, t'es trop content. Non, peu importe le match-up. Là, contre Aurora, je sais pas. Voilà, Bedague qui avance avec son E bête et méchamment. Et Simply qui est forcé de reculer, d'utiliser sa potion. Il va essayer de régén avec le Fleet. Mais là, il a pas les mêmes runes qu'un Yone. Oh, il est là, frère. Putain, il m'a poke. J'arrive dans 3 minutes pour tout baiser. Ok. Parfait, frère. C'est un ouf comment il parle ce mec. Oulala, quand ils ont vu les deux creeps ratés, frère. Aïe aïe, les deux creeps ratés, les amis. Fin de carrière. Pas deux. Enfin, non, il pouvait pas avoir. Finito, frère. Il a que deux comptes dans le top 10. Je crois qu'il est rang 3 et 4. Bof, hein. Ah, bah, dague, la pression est tout simplement énorme. Dans cette mid lane, 113 qui s'approche. Pour venir potentiellement dive Simply. C'est match par le Viego. Je sais qu'il a pas fait son bleu, C-Boy. Les deux supports qui vont prendre part à la bataille. Mais Simply ne peut pas les rejoindre dans tous les cas avec sa Zeri. Allez, Kalis qui va trade là-dessus. Magnifique trade. Attention, là, c'est cancel d'auto. Finalement, c'est le S qui va gagner. Là, son passif est stack. Kalis qui pourrait potentiellement se faire solo kill. Il va devoir flash out le Q-spell qui est envoyé. Est-ce qu'on peut pas débouler sur ce S? Bien sûr qu'on peut débouler sur ce S. Tout ça n'était qu'un bait. Tu ne peux pas outrade Kalis. Le flash Q, le combo de la part de 113 pour le first blood. Kalis qui va prendre le first blood, mais qui va tomber le flash de la Leona pour match le kill. Et là, il y a l'arrivée du Viego. Mais normalement, on est bien en HP. On ne risque pas la mort. Rentable. Rentable. Rentable, les mecs. Ah, il a bien joué le S hein, au début de son trade. Il a bien joué. Mais derrière, Fléchi qui tue flash pour éviter qu'il y ait le CD du E qui revienne. Là, le flash d'Alona pour récupérer le kill malgré la cleanse de Kalis. C'est juste les dégâts qui ont. Déjà un gros lead en mid lane. Hein. Il va peut-être y avoir 10 CS là, vu que. Cette Zeri n'a toujours pas back TP, elle a besoin de back avec ses bots rang 2. Hein. Magnifique travail là d'Abedague dans cette leaning phase. Attention, il est back up par twist. Il y a l'arrivée de Fléchi. Le stun qui va pas connecter, dommage. La lance qui va pas connecter pour twist. C'est dommage parce que ce stun c'est minimum un flash, voire même un kill. Mais c'est pas grave. Ah, Bedague est très très bien dans sa lane. Ce Corki va être bien dans sa game. Et on veut cancel le freeze de la part de la Leona. Ouais, on est sur 10 CS d'avance en mid lane. Hein. Une fois que cette wave va être récupérée par la Zeri. Ils vont lancer le Drake. Ils vont lancer le Drake 30 secondes avant les Void Grubs. On peut pas trop match. Boum, n'a toujours pas back.
Il a mis beaucoup de pression et... Il est de présence plutôt dans cette early game, donc forcément sa tempo est pas dingue. Top lane c'est even. Mentor qui va même avoir un léger lead OCS normalement avec cette wave. Mais du coup on peut pas abuser du matchup Rumble. Après Rumble c'est pas juste un lane bully hein. C'est en plus d'être un lane bully très très fort qui a aucun mauvais matchup. Extrêmement fort en teamfight. Le X-Flash de la part de Fleshy. Le stun qui va connecter. Le W, il arrive à dodge pas mal de spells. Fleshy qui va prendre beaucoup de get back là. Attention, il y a l'Ignite. Kalis qui va se mettre devant. Le Q-Spell qui va rebondir sur les deux. C'est un trade équivalent. On a un peu plus d'HP sur la décarise. Un peu plus d'HP sur le sup. Dommage. Le rebond n'a pas eu lieu là. Sinon, le Ez aurait pris sa part. En vrai, c'était bien joué de la part de Fleshy. Il est quoi comme summoner de claquer? Je crois pas qu'il est flash. On a récupéré les voids, hein. On a récupéré les voids. Ok. Dommage, on est sorti un peu de ce bush. Ce Viego. On essaye de le trap. En vrai, il est plutôt low HP, hein. On va pouvoir récupérer cette wave. C'est pas trop une menace. Trade alors que Viego est bot. Non, mais on avait une ward tribush à la base, donc t'es bien. On avait l'information sur ce Viego. Il était un peu trop loin à la base. Donc le trade était bien tenté de la part de Fleshy. Ouais, ça fait toujours peur Rel hein, quand ça go in. Victor qui a un vrai lead maintenant. Il va pouvoir aller mettre la pression un peu plus. Magnifique les dégâts. L'ulti qui va partir pour sac. Et là il peut pas faire grand chose. Bah, il va juste temporiser. Il a encore son ult Mainter. Ça a l'air d'être une play de lane contre... Oula, moins 1. Ça a l'air d'être une play de lane contre Aurora, frère. Oh, magnifique les dégâts là, Bedagueux. Dommage qu'il y ait cette Leona. Il va bait. Oh, c'est trop ce qu'il est en train de faire. C'est trop, il est arrivé de 113 maintenant. Et il est niveau 6, 113. Il va dunk sur Sipli. Oh, la roquette d'un Bedagueux, les amis. Les amis, je crois qu'il y a Bedagueux sur son 31 aujourd'hui. Je crois qu'il est sur son 31, il est en train de s'amuser avec l'équipe adverse. Excellent. Non, on le voit en 1v2, il sait qu'il peut aller chercher ce trade, il a toujours sa Valkyrie. Continue de bully Simply, ça les bait, twist, qui dit lâche mon gars. Valkyrie out, là c'est le bait parfait. 113 qui arrive, qui dunk Simply, il a regardé la roquette. Flash, grosse Bertha sur Simply, parce qu'il a plus de CD. S'il la dodge pas lui-même, il est mort. Et la Leona a été condamnée quoi qu'il arrive. Très bonne early game là, 1400 gold d'avance à 8 minutes. De 0 Corki, on voit le Viego. On sait qu'il est là. On va lui envoyer l'ulti MF, la totale, le stun. La chine de la part de Kaliste et le kill va être récupéré. Mais t'es malade. Mais t'es un ouf toi. Tu voles la jungle de qui? Ça nous coûte pas mal en termes d'ulti, summoner et tout, mais c'est un kill plus red buff récupéré. Ouais, Mainter, c'est bien. Ça fait mal quand même, Aurora, faut respecter. Il faut respecter, il faut respecter. Après, il est bien en Mainter. Hein. 17 CS d'avance, c'est quand même quelque chose. Ouais, non, j'ai abusé. Il y avait encore quelques CS sous la wave. Mais bon, plus de 10 CS d'avance. Pareil en mid lane. Le Dagueux qui fait sa loi. Hein. Il fait complètement sa loi en mid lane. L'arrivée de Twist. Fleshy qui va aussi arriver. Je crois que Kalista a son item, les amis. Non, pas encore. Pas encore. Fleshy sur C-Boy. Il est mort celui-là, hein. Il m'a l'air cuit, hein. Eh oui, il est cuit, frère. Je pense qu'il n'y avait même pas besoin d'envoyer cet ulti Jarvan, non hein. Eh, mais vois, sur... Attention, là, on est dans un couloir, on est enfermé, on est encerclé, mais c'est un S en bas, il peut pas faire grand-chose non plus. Est-ce qu'on pourrait pas turn, la 113? Je sens qu'il a envie de turn, il va trouver un combo sur ce S, il n'y a plus de dash. Abedagueux avec des grosses Bertha, Fleshy qui arrive là sur le côté. Si on arrive à toucher ce S, mais non. On n'a plus de CD pour Fleshy, pas de flash. L'ulti qui avait été claqué pour tuer le Viego auparavant. Ouf.
Ça fait mal. Rip qui va arriver après la game. C'est pas grave. On s'occupe de cette game 1 sans la bête. Et après la bête viendra nous épauler. On va récupérer cette wave pour Abedagueux. Et aller directement contester Boy Grubs. Si Boy qui s'approche. Il prend beaucoup de risques avec son Viego. Il a pas compris qu'il devait jouer en second temps. Et à l'arrivée de Kaliste, il a du free DPS sur toute la team. Il les a tous chunks. C'est free Void Grubs. Et on va pouvoir retourner en botlane pour Kaliste. Louper aucun CS de cette wave. On a le push mid. Mainter qui est venu aider au Void Grubs. Il va récupérer sa wave maintenant. Et là, on veut même aller contester le Drake. Hein. En vrai, avec le chunk qu'il a mis, c'est pas déconnant du tout. Si Boy, tu ne peux pas faire ça. Le stun de Viego n'est pas un spell d'engage. Abedagueux pourra forcément s'en sortir. Il y a l'arrivée du Ez et là il y a l'arrivée de Jarvan aussi. Kaliste qui va récupérer, il va juste récolter, il va manger. Mainter, l'Equalizer est magnifique, il va récupérer un premier kill. Le Ez qui va flash out et lui on va le chasser, lui. Lui on va le chasser, 113 qui a faim. Le combo qui va pas connecter, le sidestep de la part du Ez. Le Ez flash de la part de Rel qui va arriver. C-Boy qui va tomber instantanément, il n'utilisera pas le corps de 113 très longtemps. Sacre qui va tomber, la Valkyrie in de la part d'Abedagueux. Sacre qui a survécu et Peko aussi. Mais par contre, il n'y aura pas de dragon, un fight gagné, c'est magnifique. Donc plus de flash sur top jungle AD. Respire le crâne. Ah, sortie de sieste, c'est... Faut envoyer, frère, faut envoyer. Là, regardez. En fait, c'est risqué de la part de C-Boy. Même s'il y a sa team derrière, en fait, il peut pas se permettre d'aller. Je vous ai dit, pour moi, là, le Viego, il doit jouer dans un second temps. Il doit laisser Twist prendre les engage, tenter les trucs un peu risqués. La Leona doit vraiment sacrifier pour ce Viego. Et c'est pas ce qu'elle a fait, là. 313, Peko qui met un très bon sidestep quand même. Ils essayent de turn sur le Jarvan en se disant, si on prend le reset. Et non, frérot, tu vas juste mourir. La Luchi de Kaliste est excellent hein, derrière le mur. Il pouvait pas participer. Et attention, ça repart directement. C'est C-Boy. C-Boy hein, qui fait une game qu'on va pas retenir. Hein. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? On fait un peu de vie. Un peu de maille. Faut que je remette ce son, il était exceptionnel. Ok, moi, je suis millionnaire. Ça va trop vite, ouais. Bah là, le problème, c'est que c'est un stomp. Et là, le problème, c'est que quand t'as Viego qui est ultra en retard comme ça. En fait, tout le monde est ultra en retard. C'est trop dur. C'est trop, trop dur. Parce que là, il essaye de faire un peu plus que ce qu'il peut faire. On a 6 Void Grubs en plus, hein. Void Grubs négligé, vous savez déjà la team. Waouh! Attention, 113, il a son flag pour revenir. Oh là là, la ringage de Fléchy est magnifique! Tout le monde est dans l'arène de Jarvan, on n'a pas d'ulti MF malheureusement. Si on l'a maintenant, le flash in de la part de Kaliste, il préfère juste mettre des autos. Kaliste, Kaliste qui va prendre son deuxième kill normalement sur la Leona. Oui, le bump de la part de Fléchy, le stun de la part de Fléchy qui fait tout. Pour cette up, sa team a Abedagueux, le flash in agressif. Ça va lui permettre de récupérer skill. Tabasser un peu la T3, récupérer cette wave. 5-0 pour ce Corki. Et Mater pendant ce temps-là. Tranquille. Bon, 7000 gold d'avance, 14 minutes. Ce qu'on appelle un massacre. Là, faut faire le même de Zidane. Waouh! Et après, la ringage de Fléchy, magnifique. Cette minute, ça m'a l'air compliqué, les mecs. Les bonnes traditions, les mecs, les bonnes traditions. Un peu de bif. Un peu de maille. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Allez, avec les râles, peut-être, hein. Non mais dans ce patch c'est dur de finir en 17 minutes les gars, je crois que ça a jamais été fait encore. Avant il y avait deux Heralds les mecs, ça allait trop vite hein. Les Shalk 04 avec Nuke, ouais.
Miskin, ça lui ressasse tous les ans, frère. Vous rinez, Michel, avec 0-3 après ce BO. Pas mal, pas mal. J'aime bien. Ah, avec le double Herald, c'était plus simple. Bah ouais, frère. Le deuxième Herald, t'as vu, quand il n'y avait plus de T2, c'était là, c'était jusqu'à la base, hein. Les amis, très important ce que je vais vous dire, mais dans 20 secondes, dis la bête. Non les amis, dans 10 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, et là, Niski perdait son Nexus. Bon, là, on est en train de perdre le teamfight, frérot, on est parti un peu trop loin. On a encore Dokari, on a encore notre source de DPS, attention! Abedague qui est parti un peu trop loin, il y a les resets. Les gars, on finira pas en 17 minutes, putain, ils voulaient perpétuer la tradition. Ouais, ils sont TP bot et tout, attention Kaliste. Je pense qu'ils gagnent sur un 20, ouais. Ah, espèce de bête. La bête est là, frère. Regarde ce que t'as apporté. Bizarre l'ambiance. C'est vrai que pour conjurer ça. Les gars, je vous jure qu'elle est pas bizarre l'ambiance. Détendez-vous. Fait que je reprenne un peu d'énergie là après cette sieste. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, il est slow. La liste, allez encore. Non, il pourra pas le tuer. C'est court trop vite ça. Il brille des autos, frère. On est juste parti comme des cons là. On a tout mis sur le Aze. Ulti MF raté, ulti Rumble pas trop truc, on a trop commit. Ouais, on rate, je peux pas en plus, je peux plus partir après. Ouais, même sur la T2 derrière ils sont free DPS. Mais on a encore la game largement en main. Et même là on aurait pu se barrer après les deux kills. Abedagu il s'est senti un peu pousser des ailes, mais vu la game qu'il fait il peut se permettre. Quand je regarde l'état de leur carry, les gars, je suis encore confiant. Très largement, frère. C'est rien passé, carrément. Mais carrément, rien du tout, frère. C-Boy from 1-5 to 5-5, eh ouais, frère. Bon vieux C-Boy. Là, Bedaïbu, il est sur une spike, frère. Là, il tabasse, Muramana stacké. MMF, là, hein. Ouais mais on parle pas. Mais un Q-spell qui tue un creep sur un carry, il s'est mis de life, je pense. Ok, magnifique bait la part de Fléchy. Oh là là, 113, magnifique 113. Il a bloqué les renforts et il a re-engage sur les carries. Et la sacre, il est bloqué dans les flammes. C-Boy qui va servir de la plante pour s'échapper, mais à l'arrivée d'Abedag, il y a trop de dégâts. Il va s'en sortir un peu, un petit smite et la dernière auto pour 113, le Q-spell peut-être. Il va régénérer un peu. Régène. Ouais, je pense pas qu'il régène autant. Il va courir avec la brume. On va prendre Tourmide aussi, hein. Ouais, je pense Tourbeau de Tourmide. Ça sert à rien de chasser là, il va régénérer sur les Brace et il peut turn 113. Il a pris 5 kills. 113, Belek là, il va turn là. Parce que là, 113, il a. Ok, il y a l'arrivée de Mainter. Oh, salut toi! Un ennemi! Ah ouais, il avait bien joué, hein, mais bon. Ouais. Les deux qui tombent, on aura pas les local gold. Bon, on a pris toutes les T2, maintenant faut le Nashor pour terminer. Ils ont un peu de wave clear quand même. On sait direct vu qu'il est mort. On va pas se prendre la tête. En fait, c'est qu'il aurait pu back en plus le Viego. Ouais. Ah, bon, il pouvait. Ouais, je pense qu'il y avait un monde où il back normal. Hein. Merci, hein. Du coup, on va pas stresser sur le Nashor, pas besoin de le setup. Allez, ceux qui vont nous payer. Il y a trop des cartes de gold là, il peut pas jouer. Hein. Ouais, juste un peu dive bizarre, mais vas-y, sinon. Ouais, c'est ça, c'est ça. Là, on a les troisième items partout, quoi.
Ils veulent prendre cette T1 bot. Les tours dorées. Ce bruit qui donne espoir, tellement d'espoir. Oh putain, regarde pas le stuff de Kalice versus celui de Ez. Au mid aussi, hein. Oh là 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 là. Salut toi. Ça pourra bedague celui-là, non? Mainter qui va récupérer son kill. Il a pas sa TP, il va devoir revenir très vite là. Non, t'es un ouf. Au bot, c'est trop, frère. Fais-moi l'écart, wesh. Ah, mais encore, en vrai, le S, il est si bas qu'il a deux items là, je pense. Ah, mais ça se prend mon dos. Dans la game là, Sibo il a plus tard, putain, vas-y. Ouais, Sibo il n'est pas exempt de tout reproche, frère. Pour un pied étable. Je pense qu'il peut pas trop se plaindre, le frère. Parce que s'il est en 5-5, c'est vraiment pas grâce à lui. Ouais, toi t'as dash out, flash out maintenant, frère. Ça va se demander Jarvan sans dash. No flash Ez. Hop là. Il va une dash avancer. Tellement fort. Oh, les roquettes, elles tabassent. Ok, petit Aurora. Super. Ah, ils ont pas trop de combo, il faut avoir, il leur fallait un autre perso là. C'est il nous qui leur fallait nous, MF à droite. On méritait Aurora dans cette game, frère. Il est bel avec le S, tu n'as plus de dash, tu n'as plus de flash. Attention, le zoom, la ring edge, il y a un reset qui a été récupéré, 113 est très low HP. Mais c'est pas grave, Kalice va terminer la menace instantanément. Et on va taper les T4 pendant ce temps-là. Bedagueux est en train de faire reculer ce S. Attention, parce qu'il a une fontaine, et ben pas de problème pour Bedagueux. Quadra kill! C'est 1-0, 22 minutes. T'as un stomp hein, par ce dive. J'ai peur que le BO finisse trop tard. Bon, après, c'est qu'une game 1. Après, ils sont arrivés énervés là, ça va.
50 sans Ah, je game. te jure, wesh. Il me faut la bête avec moi, frère. En queue-vie. Comme ça, on va bien En rigoler. full chill. En full tryhard. Comment on va s'embrouiller dans ce challenge? Après, au début, ça va très hard de baiser. C'est que si après on commence à se faire troll, on perd et tout, après. Ah, tu connais. Au début, c'est full de chez full. C'est la fois, il y a. Eh, hey, les gars, il y a 2 semaines, on a lancé le duo Q. Eh, on s'est embrouillé à la mort. Et on a gagné. Eh, hey, je vais plus te parler de ma vie et tout. Eh, hey, je lance plus jamais LOL avec toi, c'est fini. Et cette fois, je le pense vraiment. Eh, hey, j'étais trop énervé, les mecs. J'étais trop énervé, frère. Elle était free, la game. Hey, on a gagné la game, on a comeback. Et après, à la fin, ah, t'es trop mon frère. Voilà que j'étais trop énervé, frère. C'est le tout qui est oublié. Il t'a juste outsmite. En plus, il m'a envoyé ses petites phrases bien piquantes. Je sais que ça te fait trop tilt, ça. Ah ouais, frère. Ouais, ce Q-Challenge, ça va être marrant, ouais. Solo, c'était le flop, là, avec Rip, ça va être quelque chose. Ah, en plus, c'était off-stream, y'avait pas de content et tout. Moi, j'étais vraiment énervé. Ouais. Et lui, il s'en bat les couilles, il se bat. Allez, c'est parti. Dans cette deuxième game de ce match. Blague qui va prendre le level 2. Bon, on connaît Yone à force de vous l'expliquer avec Dora de Shield. Et toutes les runes de Regen. C'est vraiment dur de le sortir de sa lane. Même si on peut le faire souffrir quand même. On doit le faire souffrir. On a une exhaust, ouais. Double exhaust. Mais une exhaust top aussi pour Mainter. C'est pas mal ça. Ouais, c'est juste comme ça contre Kayn, en vrai, les cas santé. Ouais, pas forcément besoin du flash, hein. Du coup, t'as une exhaust quasiment à 100% dans tous les teamfights. C'est le cauchemar de Kennen, l'exhaust. Vraiment, c'est un summoner spell de fou, quoi. Ah ouais, contre Kennen, c'est quelque chose, hein. Ça tue le perso. Ouais. En vrai, avec le Bard, ils vont pouvoir passer la lane tranquille. Pas mal de heal. Bard, Ezreal, c'est vraiment dur de les sortir de lane. Oh non, vous jouez les Drake, je pense, cette game. Hein. Ouais. Bonne soul, en plus, après, c'est on a Aura, premier, donc c'est bien. On a Ashe et tout, si on a les 3 premiers Void. Pas aussi, mais je pense que c'est plus les Drake. Ça peut brûler la game. Magnifique. C'est bien, Bedague, là, je le sens bien en jambes dans ce match. On l'a vu sur son Corki tout à l'heure. Attention, C-Boy, niveau 4 là. Il va juste aider à crash. Oula, la tornade va toucher. Heureusement qu'il a pas mis le W correctement. Du coup, on va survivre. Sinon, il était mort à Bedague là. C-Boy qui a pas attendu pour mettre son W. Johnny, c'est fort au début, hein. Premier gank. Ouais, bah avec Yone, t'es sûr d'avoir les marques. On va pas les contester forcément, c'est ce crabe, hein. Winter qui va souffrir en lane. Y'a pas le choix, on va recycler la jungle pour 113. Normalement, il va faire golem puis reset et après il aura un meilleur reset que la Sejuani. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ah, le dagueux, niveau 4. Il a plus de potion par contre. Et lui, il a pas de regen. Il a fleet quand même. Magnifique, ça touche. Ce E qui connecte. Non, le canon. Je crois que c'est un bug de mode spec, frère. Et un petit setup potentiellement mid, mais comme je l'ai dit, 113, il va recycler son début de jungle et reset pour avoir un meilleur back. Il a acheté 2 tomes cristal HP plutôt que l'item brûlure. Il va avoir besoin d'un peu d'HP. Il avait pas le choix, il pouvait pas acheter les deux. Alors du coup là il est strong de fou là. Ouais. Bien joué le buffer là. Je vais me mettre du poke. Attention, ça veut go in je crois là. Bot lane, flash in, double flash. Fléchy qui se retrouve sans flash. Il y a le Maokai qui arrive. L'Ignite qui est parti. Oula, là il y a le Maokai qui arrive, on est trop heureux de ça. Hein.
Il a pas de flash ce bard. Il est mort, non, c'est first blood pour Kaliste. Allez, shit sale. Z. Ok, first blood pour 113 plutôt. Ça va aussi, Abedague qui a TP bot du coup. Vu qu'il avait fait son reset, dans tous les cas il va retourner en mid lane. Il va rien perdre. Ah, c'est parti vraiment loin parce que la première idée elle était bien, mais après fallait lâcher. Hein. Tu vois que tu peux pas prendre le kill. Encore double flash, je sais pas si c'est si bien que ça. Hein. Ouais, je pense pas non plus. On a tous les subs nous. Hein. Juste le flash de Kaliste qui est parti. Et tank tout fléchi. Alors là, c'est type de fou, ça y est, ils vont jamais le tuer. Ouais. Enfin, portail, c'est vraiment ambitieux. Très très ambitieux. Oh, peut-être un solo kill de la part de Mainter là pendant ce temps-là. Il y a eu un flash out du Kennen. Allez, fais voir. Mainter, solo kill Mainter avec son cas santé. Et ça, c'est des énormes problèmes pour Shalk 04. Ce cas santé est bien dans sa game. S'il a sa TP là, il est heureux là. Du coup, il fait Mercure direct. Je pense, normalement. Il fait manteau de spectre. On va voir là, les bots. Manteau de spectre. Ouais. Comme ça, il va bien pouvoir passer la lane phase. Tu régènes à chaque fois que t'as pris des dégâts. Il va être très content avec ça. Il va rush Rookern. Une fois que t'as Rookern, le matchup il est même plus marrant pour Kennen. Après, en vrai, quand t'as Rookern et le Lyandrix, ça va en vrai. Ouais, ça se match un peu, mais. Il va l'avoir vite quand même là. Il a quand même 20 CS de retard. Là, la wave elle est mal positionnée. 113 niveau 6. Premier Drake qui est lancé, on va aller le contest. On n'a pas l'info tout de suite là. On s'en doute quand même. Il va juste dash out. Ouais, il va juste dash out. Oh, dommage! L'ulti était peut-être un peu trop gourmand. Mais 3 HP en vrai, il a smite, je crois. Hein. Ouais. C'est 3 HP. Hein. Ok, la Rogue qui part sur le bard, il n'y a pas de flash, flash de la part de fléchir instantanément. On va mettre une exhaust pour le ralentir pendant ce temps, la Peko il tape sur Kaliste, on va prendre le kill pour Kaliste, il y a la Clans, on va tanker cette tour, il y a l'ulti, c'est Joanie. Attention, 113 qui va mourir, il va prendre le dernier coup de tour. Belle réponse de la part des Shalk 04 là-dessus. On était un peu trop gourmand à vouloir chercher ce Aze. Et attention à Bedague pendant ce temps-là. Très bon trade. C'est encore l'ulti. On veut flayter au bot là. Mais attention parce que le bard ça revient vite sur la map. Il arrive là. Et il arrive. On va peut-être pas calculer ça. Ouais, il est là. Et le bump, Kaliste. Kaliste, c'est maintenant qu'on parle des mécaniques. C'est maintenant qu'on parle des mécaniques. Ah, il y a un Q flash. La cleanse. Non. Non, non, Q flash c'est trop dur. Oh, Boston. Double kill là, on s'est fait surprendre. Faut y penser que ce bard revienne super vite sur la map. Faut vraiment y penser. Parce que sur un autre sup, on sait qu'on a encore 10 secondes où on est tranquille. Mais Bard, ça va trop trop vite sur la map. Trop gourmand là, ouais ouais ouais. On voulait cette plate. On l'a eu hein, mais. Ah, c'est flash chez Juani qui a. Ouais, parce que là, s'il n'y a pas flash chez Juani, bah, on peut jouer le 2v3 banal. On n'y a pas pensé à ce Bard. Ouais, c'est dur d'y penser. Parce qu'on voulait juste prendre cette plate et se barrer. Ok, magnifique. On pourra pas prendre ce kill, les gars. Doucement, chill. Ok, ulti bar. Ils pourront pas le prendre non plus. Ouais, ouais, ils pourront rien prendre du tout. Ulti est-ce qu'il va nous faire chier un peu là, avec ce chunk. Il y a les Void Grubs. J'aime bien ce que fait Chimao, là. Ouais, mais j'aime bien ce. Là, s'il prend tout le bot side, on est trop content. Hein. Ah, il va pas prendre le bot side adverse. C'est Boy qui a bien réagi, il a foncé sur les voids. Il va juste en prendre un, il a peur. Ça me va. Ouais, il dit que Mao prend son bot side justement. On a toute la vision bot side. Au final, c'était peut-être pas la meilleure décision de rush le bot side. Là, on serait fait punir. Tellement hâte que notre émote elle sorte, frère. Passe bien cette émote, hein. Tu solo kill un mec, tu lui mets l'émote. Il s'arrache les cheveux. C'est parfait. 113, hein. C-Boy, tout le monde est là pour le 3v3 bot lane. On a pas d'ulti Mao, hein.
Ouais, ouais, aïe aïe aïe, les chili va utiliser son ulti, le dash out, ouais c'est bon. Ça va utiliser ses joyeux pour Chirakan. On va prendre le trade parce que là on était mal en point sinon. Bon, early game un peu compliqué. Ils ont eu le Drake, ils ont eu les Void. Ah ouais, il a pris qu'une Void en soi. Ah c'est vrai qu'ils ont pas, les Void. Ouais. Ils sont encore là. Si nous on jouait pas les Void de base. On voulait le Drake à gogo, mais le fait de pas avoir le premier Drake, ça change un peu tous les plans. Ça va retarder la pression qu'on aurait pu leur mettre sur la map. Ok, il veut venir casser les couilles. C'est un Yone, il a pas de range. Il n'est pas forcé au smite. Yandrit finit sur 113. Fléchi à Budagur mid lane. Je crois que Seaboy il va finalement aller récupérer ses voids. Après il y a Fléchi. Le bard n'est pas encore sur la map. Petit bump tranquillou. Ok c'est bon, tout est dodge. On prend pas de chunk, on prend ce canon. 30 secondes pour le Drake, 35. À faire les voids, mais bon, je pense qu'il troll parce que ça part au pop là. Il y aura juste 3 voids donc. Pas fou. Ouais, nous on va prendre la vision Drake. Prendre le S peut-être aussi, hein. Ouais, aussi, hein. Il y a des plates encore à récupérer. Surtout qu'il en a fait qu'une finalement. Ouais, et même lui il se dit qu'est-ce que je fais là, je crois. Ouais, il a annulé en plein milieu. Et là on a la vision un peu partout. On sait où ils sont. On est avantagé pour ce Drake, dommage, ça a pas bizarre. Touché Lyonnais. Je suis pas sûr d'avantager pour le Drake maintenant. Ouais, sur l'ulti c'est dur. L'ulti c'est dur, de toute façon on était vraiment loin. Après on comptait sur l'arbre et tout, normalement on pouvait le one shot. On pouvait le one shot parce que bon, Kylie Andri sur ce timing là ça tabasse. On va le faire quand même. Il était in, ouais, ça se joue à pas grand chose, ça se joue à pas grand chose. Je pense faut qu'on les laisse linkage. Ouais. Oh putain, l'ultime Okai est bien. Hein. Ok, ça va, ils ont raté, ils ont pas go sur Kalis. Ouais, mauvais combo, ça va. Ouais, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Attention. Oh là là, c'est bien joué de la part de 113 pour buffer. Laro, Kalis qui pris DPS pendant ce temps-là. Kalis qui va remonter maintenant. C'est son moment. La clan, c'est clean. On y va. Twist va tomber. Merci pour le portail. On va pouvoir chasser ce Ezreal. Kalis, le double kill. Ça aurait pu faire bien mieux. Hein. Kennen a TP en plus. Hein. Kennen a TP, on se régale au top. Ouais, mais en plus, on le sait donc. On va peut-être jouer le smite, c'est tout. On va jouer le smite, on va jouer le smite. On a pas d'exhaust là pour le Kennen. Ouais, on aura pas le smite. Attention parce que là le Kennen il va go in, c'est que sur Fléchi, flash in. Maokai qui va tomber, Fléchi. Ouais, on peut se battre là, on peut se battre là, on peut se battre. Pendant ce temps là on se régale au top, hein, je vous le rappelle. Le Kennen va tomber, Abelagu qui chase, il y a une tornade pour Simply, il pourra s'en sortir. Bon, ça va. Ah, Fléchi c'est vraiment ce casse-couille. Hein. Prends bah moi oui, 3 frère. Ok, nos flash. Au moins 3 plates, marque 4 au top. Ouais, il perd tellement de wave en plus. Il faut repartir là. Ouais, ça va. Il y a l'ignite, attention à pas trop tomber là. Kalis qui va venir récupérer la wave mid. Abedague qui va back et qui va aller bot lane. Abedague qui va récupérer sa wave finalement. Attention, il y a une tornade. Une tornade. Oh, bien joué. T'as bien joué, hein. Ouh là 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 là. Aïe. Le crochet. La virgule. Il lui a brisé les chevilles. Ça tu fais à Bedagueux. Là il l'a brûlé, frère, il l'a éteint, ouais, il y a pas de Clens, il est mort. Dommage, c'est ça le problème de H, hein. Quand t'as pas tes summoners, tu ne veux pas trop jouer au jeu. Et là il faut quelqu'un pour défendre la T1 bot maintenant. Je prends pas la def, je crois. Ouais, Fléchi il en met assez de pression. Il la force pas donc ça va. Ils vont la prendre quand même, frère, c'est pas possible de pas la prendre là. C'est pas possible de pas la prendre, elle est trop off timing. Ouais, le S est bien dans sa game quand même, hein. Ouais. Ouais, il est bien, il est bien. Quand on a un cas santé, frère, il est royal. Même pas, je parle. Il est royal. Quand lui va rentrer en teamfight, va falloir y aller pour le tomber, Mainter. Elle a pas encore trop d'armure.
On joue pas la soul du coup, c'est un peu dommage mais. Bah ça fait plus de die qu'Inferno. On peut le voir comme ça. Je vais l'Hérald. On est pas trop bien niveau objectif là. Ils sont mieux là dans cette game les. Enfin, on va se faire ton gars, je pense. Hein. Pas de flash Kennen, pas de flash Yone, enfin flash personne, ouais, par barde. Il faut un deuxième item Mainter et après on est trop bien. Et là le Rooker il va lui servir contre Kennen mais pas énormément contre les autres. Abedagueux, attention, il y a la révélation. Ouais, hein. Et magnifique, ouais. Il va changer. Oh là là, Abedagueux, c'est trop. Les mouvements, c'est exceptionnel. Il va pouvoir récupérer le kill. Sur Bard et le Yone qui va tomber. Arrêtez d'essayer de le tuer. Il est trop vif pour vous. Il est trop rapide. Il leur fait du sale. C'est dur, hein. Bard Yone. Chez Nora. Qu'est-ce qui se passe? Il mid direct, c'est bien, ouais. Ouais, direct. Mais la pression, cette T1 elle tombe. Hein. D'en profiter de ce double kill. Oh frère. Oh la zone de slow elle est magnifique. Elle slow à gogo. La valeur de ce ulti magnifique. Le crabe. Pression lobby. Eh oui frère, tu connais. On va mettre la pression à ce lobby. Abedagueux qui est dans le dos. Manque un peu de dégâts quand même. Sans l'ulti. Sans l'ulti pour tout setup. Tranquille, on va reset. Là, on a des items un peu partout. On a du stuff à acheter. Oh, il en a pas fini. Il en a pas fini. Il y a le retour du Q-Spell qui va arriver. L'auto-attaque, la dernière. Flash in pour Abedagueux. Il va récupérer son solo kill. Est-ce qu'il connectera pas? Frère, il est trop créatif sur le champion. J'ai dit, il était en jambes. La game 1 avec Corki, frère, il a envoyé des traits en permanence, frère. Allez, c'est bien. De la vision, léché. Après, en teamfight, on est vraiment bien. Là, on a les deux items sur K-Santé. Je vais vous dire que c'est pas des blagues. Oh, ils ont pas les dégâts là. Hein. Je peux pas prendre ce fight. Hein. Je peux pas prendre ce fight avec l'ulti Aurora et tout. C'est trop dur pour eux. Obligé de respecter, on va aller. Ok, la roue qui va connecter. Je peux pas follow avec un Q3, ouais. Non. Ouais, des Mercure. Après, personne n'est là, c'est compliqué de rentrer là-bas. On fera la jouer safe. Après, Yone était bot, Kennen était top. Sacre qui va essayer de récupérer cette T1. Et Mainter arrive. C'est accompagné de Fléchy. Il peut la forcer, je pense. Hein. Ouais, après. Il la force pas, mais. Y a pas son sup. Ok, Kalis qui va tout esquiver. Très bon flash. L'arrivée d'Abedagueux va mettre un ulti exceptionnel. Le flash out de Peko. On va essayer d'attraper Twist, frérot. Tu ne peux pas te barrer. Mais la deuxième fois, il pourra. Attention, on va suivre ce portail. Kena. Allez, le Pikmin. Oh non, il aura trop de move speed. Il est mort, c'est Kena, il a plus de flash en plus. Fléchy qui avait accompagné Mainter. Parce que là, Fléchy au mid, c'est Squadra qui. Mais son move était déjà acté avant même le début du fight. Là il se fait chasser là à Bedagueux. Il y a moyen de voir ce qui se passe au bot, moi c'est. Regarde bien grave. J'ai tellement hâte de voir Mainter en teamfight là. Ah là ça il a ses items. Hein. Solo kill de Mainter encore, non il avait fléché avec lui. C'est quand même Kraken Kaliste malgré le nerf sur H. Je pense que c'est trop fort quand même. Un replay top. Ah, je sais pas si on a un replay top, il y a trop de matchs en même temps. Quoi. Les stats de Kraken seront bien pour H. Ouais. AD attack speed, tu veux que ça. 16 000 dégâts là, Mainter dans cette game déjà. Il tabasse.
J'ai Mainter, Abe, pardon. Ouais, ça m'étonnerait avec son cassant qu'il ait mis 16 000 de dégâts. Dans un match-up, Kennen, il est même dernier aux dégâts, le pauvre. Mais en teamfight, il a fait son boulot. En teamfight, il va pouvoir se régaler. Tu peux littéralement pas taper. Ok, bon. Allez, ça part dès là. Maintenant. Tu tapes contre un mur. Fais un item, sert à rien contre lui. Ok, ça a pas mal de dégâts magiques. Le truc, c'est qu'il va mettre trop de temps à le tuer et tout. Vas-y, il sert à rien. Juste à récupérer ma wave. C'est des ressources sûres. Et là, il blade le Yonet, donc. En duel comme ça, c'est pas mal. C'est vrai que la Warden Smay il meurt jamais, frère. Muramana normalement complété pour Peko. C'est une 15ème attaque. Dommage. Très bien, Abedague là, il est malicieux avec son champion. Et puis ce qu'il faut pour le jouer. Exactement. Tout en train de chercher des petites opportunités là, de créer du jeu, de créer de l'espace. Attention même de tuer l'équipe adverse. Allez, on veut jouer ce Nashor maintenant. Nash, on veut juste les faire revenir. On a un Maokai, hein, donc normalement le Nash c'est pas trop dur à jouer. On a Maokai Rakan. C'est la TP aussi. Hein. Ouais. Attention parce que là, ok, l'ulti d'Aura est bon. Là, attention à Bedague, il va se replacer. Bon, il va prendre l'ulti de cette Sejuani. Le début du fight n'est pas dingue, dingue, dingue. Pour sa TP, faut bouger. Ça va. On a bien dodge l'ulti d'Yone. On va pouvoir le punir. Sacre qui s'est fait exhaust. Et là, c'est Mainter dans le teamfight qui va rentrer. Les dégâts sont énormes. Il toque toute la terre. Le Q3 qui va collecter double kill pour Mainter. Attention à ce Ezreal. 113. Qui fait pas le pas trop là. Kane, il avait flash top. Du coup, il a pas de flash. Ouais. On a jamais du flash ce qui est dans le top. Jure, c'est mieux de mourir et de garder son flash. Attention, on va potentiellement ringage sur ce Ez. C'est compliqué. On va juste reprendre le Nashor. Ils ne peuvent plus répondre. Ah, le Yone qui a fait le move de trop. Et il a été puni. Parce que le début du fight partait bien pour Chal. Il y a C-Boy, on va essayer de le cancel. Mater qui va faire tampon là-bas. Ça va récupérer l'ulti Maokai. Abedague. Voilà, Mater qui va bloquer tout le monde. Hein. Il va bloquer littéralement tout le monde. Il est trop tanké, il a eu trop de ressources dans cette game. C-Boy qui ne s'approchera pas de ce Nashor. Mater qui va tomber, le Q3, mais il a mis un très bon setup, Abedague, l'ulti est magnifique sur 4 personnes. C-Boy qui va s'échapper avec un HP twist aussi, Simply lui, il va le payer. De sa vie, il va le payer. En effet, tu piques mine là-bas pour check 113, un petit free kill là. Ah, dommage. Hey, Mater, il a tout pris dans la gueule, frère. Et avant de mourir, il a envoyé un Q3 dans l'ulti d'Aurora. Il y a 3 items là, c'est dingue. Ouais. Ah, je l'ai dit, depuis tout à l'heure, j'attends de le voir en teamfight. J'étais impatient. Bah là, il nous a bien régalé, frère. Surtout que c'était un fight en deux temps. Le premier temps, il prend double kill. Et là, regardez, hein. Il bloque littéralement tout le monde. Il ne veut que C-Boy. C-Boy, tu ne t'approcheras pas du Nash. Je m'en fous de mourir. Et là, un Q3 dans l'ulti d'Aurora, Abedague, maintenant qu'il y a tout l'espace nécessaire pour rentrer et les rendre fous à droite, à gauche. Il utilise très bien son ultimate. Allez, c'est parti, on va jouer la T2 bot maintenant. C'est récupéré avec ce Nashor, on va s'envoler au gold. Énormément récupéré sur la map. Et de mid, oh l'ulti il est bloqué. Il va devoir flash, no flash Ez. Et son ulti il l'a vite hein. Ok, l'ulti Maokai, ça va un peu trop loin la fléchie. Est-ce qu'il peut survivre? Ouais, c'est Rakan. Pour l'instant il peut, non il va tomber finalement. Oh, moins que le Yone qui est parti trop loin, il va se faire ulti, il va tomber. C'est fou, c'est... Ah, il peut pas jouer, là il y a eu l'ulti qui a santé en plus. Pour s'assurer de le tuer. Attention, il peut pas face check n'importe quoi aussi hein. Ah, Bedague Mainter. Pour protéger ce dragon. On cherche C-Boy hein. C'est la cible à abattre. Attention, il y a une ping qui va essayer de smite. Il va jouer le smite, il va l'avoir. Il va l'avoir. On n'a pas pu le bloquer, il n'y a plus d'ulti qu'à santé. Bon, il va mourir, c'est un kill pour Kaliste. On va reset.
va, ça va. Ça va, ça va. En vrai, là, Abedagul envoie un vrai message. Hein. Aux autres équipes GM Master sur Aurora, faut pas trop le tester. Pas laisser, hein. En plus, en red side. Ah, le Yone, il est level 13, en 3 niveaux de retard. Et twist. Ce blue buff global va être récupéré. Allez, tranquillement. On va récupérer le groupe aussi. Un peu de bif. On envoie l'ulti Maokai. Pour cette T2, l'ulti d'Aurora est sublime. Avec la malignance, ça proc sur tout le monde, je peux pas trop avancer. Ouais, ok, Fléchi qui va re-engage, on a une TP, mais il y a la TP du Kennen derrière. Oh, on n'a pas l'exhaust, Fléchi qui va tomber, mais il a pris l'ulti Kennen tout seul. Kalis qui va se repositionner avec un flash out. C'est double kill quand même pour eux. Abedague est toujours en vie. Hein. Abedague est toujours en vie. Je sais pas si t'as vu. Faudrait que je revoie, faudrait que je revoie. La charme le Kennen dès qu'il est arrivé, du coup il a flashé, ouais. Mais il a reculé. Et c'est sacrifié pour. Parce que là, j'avoue que ça aurait pu être un massacre. Hater. Bon, il y a le Red Cricket. Fais voir, parce que là, déjà, il a re-engage après. Heureusement, on n'a pas réussi à prendre la tour, donc on n'a pas pu s'avancer sur eux. Et du coup, la TP du Kennen était magnifique. Là, il va go in sur la backline. C'est bizarre. Hein. Là, ah ouais, là, il le charme. Ah oh, ouais, il le fait reculer, c'est magnifique. Je jure que c'était un massacre sinon. C'est un bain de sang. Et c'est vraiment sacrifié. Et pas le choix. La petite chunk gratuit. Non. Toujours pas. Toujours pas. Vous ne pouvez pas l'attraper, frère. On s'est galéré en ça GPS, fait cheat, non, hein. Non, c'est juste qu'il y avait la T2, les gars. Du coup, on pouvait pas vraiment taper aussi. On pouvait pas follow et après, on engage. Envoie les ultimas, ok, et tout comme ça pour prendre les tours. Donc, on joue pas trop le fight en soi. Ah, c'est ça. C'est vrai que quand on n'a pas notre combo, c'est compliqué niveau dégâts, mais. Mais là, ça le fait encore. Ils ont pas non plus la fronde du siècle. Je regarde le stuff de la Sejuani, elle est vraiment tombable. Ah ouais. On va attendre le prochain Nashor. Une game un peu plus disputée que celle d'avant, même si on a l'avantage. Une T2 top toujours à récupérer. Attention à Bedagueux là. Il n'a pas été repéré, il va pouvoir dash out. Shutdown, heureusement il va sur Bard. Et là sans Bedagueux, on va manquer un peu de dégâts. C-Boy qui tank bien quand même. Sans Bedagueux, c'est dur de trouver ce qu'il faut. Moi c'est Bard quel kill. Un peu chill. Sans presque à liste, jamais. Alors on cherche toujours, même si on a perdu un Bedagueux, on cherche toujours un fight à notre avantage sur un trap. Encore la roue, mais bon. Mais bon, attendre 20 secondes. Ouais. Soit qu'il lance le Nash, et du coup, ça fait un 4v5. Allez, 3 beaucoup plus simple à jouer. On va juste attendre la roue et on tue tout le monde. Hein. Il est là dans 10, un Bedagueux. Il est là dans 10. On va juste mettre de la vision en permanence. Y'a pas du Tikkenen. Simply qui va toucher rien du tout. Il va se faire finir par le Nash ou quoi celui-là. Et là il y a l'arrivée d'Abedague maintenant. Et là on va aller les exploser maintenant. Attention, Simply qui arrive sur lui, il va tout dodge. Il va d'abord récupérer ce premier kill. C'est magnifique, Kalis qui va prendre le kill 113 dans la mêlée. L'ulti d'Aurora est sublime sur les 4 autres joueurs. Abedagueux qui va rejoindre la mêlée lui maintenant. Tout est ce qui va tomber. C'est un massacre ce team fight. Il est mid là. Ah, fini là. Dagueux qui va aller chercher C-Boy, est-ce qu'il a les dégâts pour? Il va encore le bait, il va prendre cette ultime, mais il sera pas sous la tour. Il est trop vif avec le perso. Ah, après, on a mis du temps à push. On va Gona, je pense. On va Nash Drake, je pense. Ouais. Il va go Drake, C-Boy. Ouais, c'est Johnny, hein. Il va en mettre du temps. On va pour l'aider, on va juste faire ça. Ah, c'est ça que je regardais, s'il n'y avait pas une TP. S'il y avait une TP Yone, ça aurait été compliqué, mais il n'y a pas de TP.
Est-ce qu'on back et on court? Je crois qu'on va courir direct, hein. Faudrait qu'on court direct. Et si on back, il aura peut-être le temps, il y a un ulti-S pour aller l'aider. Attends qu'on arrive, il va jump out, ça va faire reset, je pense. Ouais. Oh frérot, abuse. C'est trop long, c'est Joanie. Mais pourtant, c'est pas le pire des tanks pour les objectifs. Voilà, là, faut juste le faire reset en faisant tout le monde. On va juste fight, hein. Le crabe qui va nous redonner toute la vision. On repull out cette fois, c'est Drake. Ouais. C'est Joanie, il n'a pas le droit d'entrer aussi facilement. Elle a pas d'ulti, donc lui, il fait ce qu'il veut. Vous avez commencé à être bien tanky. Hop là. Le Drake est récupéré. Deuxième Drake infernal. Le Yone qui va split push au top. Est-ce qu'on envoie à Bedagueux? Ouais, on envoie à Bedagueux. Pour le gérer, je pense pas qu'il aurait trop de soucis à le faire. Ah, il a vraiment aucun souci à le faire. Oh la roue. Oh non. Non, il la voit venir. Cette caliste, il espérait qu'il y ait un fight. Mainter qui arrive dans le dos par contre. Hein. Salut chef. Est-ce que tu me reconnais? Eh bien là. Tiens, Bedagueux s'est servi sur un plateau. Il lui a mis les couverts. La serviette. Il a plus qu'à manger. Je pense. Hein. Il est double inhibe là. Et le pyjama, bien sûr. 0-7 Yone. C'est dur en la ligne de stats. Ouais, ils sont pas mauvais en face. En vrai, ils se battent bien en équipe. Hein. Je trouve qu'ils ont. Ils ont une bonne complicité. Ils ont pas mal trouvé des bons teamfights. Alors que c'était bien en retard. Je pense qu'ils vont en ligne là. Hein. Faire attention. Ouais. S'ils laissent deux inhibs, c'est fini pour eux. Il y a quand même une. Une lane gap un peu partout. Ok, le team en caille maintenant. On va juste exterminer cette Sejuani. Hein. Il y a un Mikael, l'ulti d'Aurora encore. Oh là là, c'est trop, un Bedagueux, c'est trop, frère. C'est trop, je vais même pas crier là dans ce teamfight. Hein. Je vais économiser ma voix. 12 ans, frère. Hein. C'est un massacre. Aurora Redside. Ouais, c'est donné quand même. On va faire ça. Hein. L'Aurora d'avant, elle a pas fait ça. Ouais. Elle était top. En plus, en vrai, je préfère Aurora top que mid. Il a joué mid et il a éteint. Ah mais mid, tu peux être... Tu peux vraiment avoir beaucoup d'impact en early, quoi. Alors qu'au top... Ouais, mid, je trouve que tu manques un peu de dégâts, après.
Jack support à ne pas sous-estimer quand il écrit ça, je me suis dit, ah oui, il y a peut-être un truc. Ça marche très bien dans mes games de bronze. Ouais. Mais tu build tank, de toute façon support t'as un item max hein, au cas où. Bah, c'est ça le truc, c'est qu'il scale pas du tout, frère. Je veux bien que tu peux cheese un peu la lane, mais en blind, du coup. J'attends de voir, en vrai, je suis surpris. Oh non, Jack support en silver, c'est pas mal, je pense, mais. Là, c'est 8ème de finale Elimination Master, hein, playoff. Hein. Il fait le build Camille Sup. Ouais, mais Camille, je peux comprendre, frère. 30 seconds until minions spawn. On va voir. Hein. Il y a un message au chat qui est parti là. Après, ils ont une bonne compo à part le Jax. Ouais. Mais même contre Pyke, il va avoir des problèmes, non? Je sais pas. Bah ouais, bizarre, hein. En soi, je pense avec Varus et Loveblade et tout, c'est quand même une bonne lane. Ouais, faut voir les mecs. Hein. C'est la première fois que je vois ça. Apparemment, ils l'ont pas mal joué déjà. Je vais aller sur Gold GG, je vais voir ça. Ouais, ils l'ont joué 3 fois, 33% de win rate. Ok, intéressant. Ils sont en 1-2 avec Jack Support. C'est gratuit. Avec Varus, on va avoir le push. En vrai, j'ai hâte de voir. Hein. No joke, je suis hype, frère, pour voir ce que ça donne. Pour l'éteindre aussi? Moi, j'aime pas juste en blind, quoi. Je veux bien que tu cheese, mais en blind. Mais en fait, pourquoi Jax, frère? Ah, tu sautes sur le mec et Loveblade, Ouais. Ignite, t'es content quoi. Je vais le surprendre. Ah, pour le coup, on est surpris. Hein. On l'est. Et frère, je préfère Caitlyn Sup et Loveblade hein, Bah que ouais. Jax. Avec Caitlyn Sup, Hail of Blade, c'est monstrueux, frère. On trempe, frère. Si je te réserve pour le solo queue challenge, frérot. Attention à Bedagob, j'ai flash out là, flash in. Il va pas tomber, il va pas tomber. Ok, no flash mid. Des deux côtés. C-Boy qui doit respecter. Qui doit invade, on doit le respecter plutôt. C'est même sur ce Simus. On a le smite normalement sur son trèfle, mais C-Boy aussi il a gardé son smite. Si on n'a pas ce gromp, on est très malheureux dans notre vie. Et on l'a. On l'a donc ça va. Parce que là il doit remonter top. Faire tout son top side. Là on veut bait pour 113. Ah bah Dagu il a pas de flash. Il va y avoir un Q-flash de la part de C-Boy. On prend le dodge. Ah non, on pourra pas le dodge. Il y avait le Q-flash quoi qu'il arrive là. Il va pouvoir TP mid, il va pas perdre sa wave. De toute façon, en teamfight, on a une draft Exodia, frère. Ils ont pas mal de poke. Les chi. Il est sur une ward, faudra qu'il fasse gaffe. Bon. Pour l'instant, ce Simus ne peut pas trop s'exprimer. Et on peut pas trop le punir non plus. Ils ont quand même un Varus au bot. En lane, c'est quand même pas mal. On dirait H le skin de Varus. Ouais. Petit ouf. C'est que de brailler à chaque auto-attaque. Yeah.
Je te jure, il veut pas s'arrêter. À chaque auto, frère. Ya. Shen, j'avoue que c'est Shen, c'est pire quand il fait ça, frère. Moi, Shen, ça rend fou. Ouais, Shen fait que d'hurler en live, frère. Ok. On a une bonne wave là. Celui qui va reculer, on va peut-être chercher à back. Alors on est content, on a une très bonne gestion de lane, bot lane. Twist, il a un HP avec son Jax. Il est bien chunk. Pas forcément tenter une dinguerie. Entre est-ce qu'il veut aider à Bedaguer en mid lane. C'est compliqué, attention parce qu'à l'arrivée de la CGA, il a flank Varus, pourquoi pas. No cleanse gratuit. Ouais, il n'y a pas de flash sur cette siège. Il va prendre le kill ce Jax. Comme un monstre. On sait que c'est bien pour eux si Jax il prend des kills, frère. Je te jure, je mais avant ça, ça servait à rien là. La Jax, vraiment, si t'as pas d'item, ça sert à rien. Ça me fait chier qu'ils prennent un kill par contre. Ouais, il va le build comment? Sur une Triforce, bonhomme. Je pense pas en vrai. Peut-être partir sur ciel éventré. Ouais, je pense, c'est ça. Dans plutôt. Swap lane. On 13. Je vais récupérer ça, on veut jouer les voids. On va pouvoir contester les voids, hein, vu qu'on a swap, on est en avance. Et là, on les a un peu baisés avec le swap. Il s'y attendait pas, Mainter va pouvoir aller plater gratuitement. Ultimate directement en mid lane. On va essayer d'attraper le Simus, mais il y a Kennen derrière. Compliqué d'aller plus loin. On se régale en bot lane. Mais alors on se régale. On a pris deux Void Grubs. Si on arrive à prendre le dernier, attention parce que là on est un peu risqué là. Y'a pas de level 6, ça va. Ok, flash in, flash out. Nos fumes ce Varus hein. L'ulti MF pour le mettre un maximum de DPS. Je peux pas flash in. Ok, Fleshy qui va récupérer le kill. Fleshy qui va pas pouvoir s'échapper, il y a un stun. Ouais, je pense. Il va donner le kill à Jax. Ok, le stun, magnifique. Il n'y a plus rien pour C-Boy. Hein. On va slow le Jax. Il va pouvoir se rendre invisible. Ouais, 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 ouais. Et ça va, ils ont pas cut le bush. Ok, oh, ils sont forts quand même. Hein, parce que bon, Jax, il Love Blade, début c'est fort. Ouais. Avec ses genies. Il Love Blade plus le stun. En plus, il prend des waves et tout. Ton Kennen. Même Jace et tout, en vrai, ils sont bien au début. Ah, je sais pas comment Aura elle peut répondre face à ce Jace là en lane. Il poke mieux, il all-in mieux. Donc du rageux pour lui. Allez, Abedagueux. A vu ce qu'il était plus capable de faire avec ce champion. Plus le dive mid de la part de la CJUNI, ça l'a pas mis dans de bonnes conditions. Avec une play, top, je pensais qu'on en prenait deux. Il doit pas être loin de tomber. Là, on va re-swap lane, on va reprendre les lanes classiques. Hunter il a des mercures. Ça reste un cas santé diveable quand même. C'est pas encore très tanky. Il y a un ulti Sejuani, un ulti Varus. Oh, il l'a touché là. Il pourra pas s'échapper, il va utiliser le Varus justement. Il se replace, ouais, bien joué. Après il a plus de Z là. Ah, il a plus de wave, là il est mort je crois. Ah, là il est mort. Oh, il a okay, il a tout dodge. L'exhaust pour survivre. Il a le Q3. Ok, il va le Q3. Ah, ça va pas suffire. Ça va pas suffire à l'aftershock. Ah, la wave de fou. Ouais. Faire full là-dessus. Ils ont réussi à le dive finalement. Nous, je crois pas qu'on peut tuer au bot. Hein. Ouais, ils sont deux quand même. Hein. Et c'est. Après, on peut peut-être tuer le Jax et partir. On a le Chimokai qui part dans tous les cas. Il y a le Chimokai qui va venir. Il y a Abedagueux qui arrive. On va attendre Abedagueux, je pense, pour l'ulti MF. Il va partir maintenant. On va l'envoyer sur Sacre. Ouais, c'est compliqué. Oula, attention à Abedagueux. Il va se replacer. De manière offensive. Là il y a le Jace qui va arriver, la boulette peut faire mal. Heureusement elle connecte pas à Bedagueux. Il va flash out, on va attraper le Jax. Est-ce qu'on peut le tuer? Non.
Ok, le reset est récupéré par Fléchy, mais il va tomber double kill pour Jayce. Ah, c'est bien, hein. Ce kill pike fait double gold avec l'ulti, donc ouais. Un pour un, ça va. Bon, R. Ah, c'est 2 pour 2 finalement avec ça. Ah ouais. On va se faire avoir par ce cheese là, faut rester tranquille. Et je suis confiant pour les teamfights. Et pour le coup, il est vraiment compliqué le dive. Hein. Ouais, Kennen Jax. Ouais. Donc le Jax est niveau 6, il a son ulti. La Counter Strike et Kennen qui met son ulti, donc tu peux pas t'approcher. Il est vraiment compliqué, mais elle est un peu trop loin. Abdo qui flash out. Et Chic qui vient trade kill là-dessus. C'est du 2 pour 1, mais avec le passif de Pyke, on s'y retrouve un peu. On s'y retrouve un petit peu. Alors le game difficile là. Premier game dans le BO où tout l'early est en leur faveur. Toujours pas de Drake dans cette game. Les Void Grubs qui vont spawn dans 20 secondes. Je sais pas si on sera en capacité de fight. Hein. Ce Jayce fait déjà très très mal. Comme notre premier item. Hein. On n'a pas de quoi tomber cette Sejuani pour l'instant. Après, pas non plus encore super tanky. Le Jax sur ce timing il est fort en vrai. Hein. Ah ouais, au début c'est fort, hein. C'est juste ça scale pas quoi. Là level 7 et tout. Avec l'item à 1350. Ça, je le regarde, il est pas ridicule là. Ok, les Pikmin. On a pas de Lianderie cette fois. On va voir le quatrième Void. L'ulti Maokai, l'ulti Sejuani, 113 qui va prendre la foudre, mais l'ulti MF est très très bon, va se servir du Jax pour s'échapper, l'ulti Aurora aussi, il est bien joué, Abedagueux qui va y aller, non le reset est pas tombé sur Fléchy, on aurait pu se régaler, on aurait pu être multimillionnaire, multimilliardaire et au final, ça va être juste un 1 pour 1, oh putain on était trop heureux. 1200 gold ce R. On aurait pu rattraper l'écart direct. Metteur qui s'est retrouvé en 1v1, il va récupérer son exhaust là. Plus ulti sur Skenen. Et on va le dive. Attention, Fléchy l'a pris. Là, gros, il y a Abedagueux. Flash, en vrai, c'est bien. Ouais, magnifique, il est mort. On a besoin d'un kill sur Abedagueux là. On a besoin d'un kill sur lui. Et il va le récupérer. Pour pouvoir crash cette wave en plus. On a reclear la vision sur les Void, ils sont pas dessus. On joue la bot lane par contre. Ils ont pas mal de plates à récupérer. Au moins 2 là pour ce Varus. Avec 4 Void. C'est minimum de plates. Le dagueux finalement est resté top. On peut prendre des plates lui aussi. Après c'est plus compliqué à aller chercher on va dire. Mainter qui arrive finalement. Les 2 plates sont tombés. On peut-être aller chercher les 3. Vont chercher les 3 plates. On n'a pas trop le choix que de les perdre là. Essayer de mettre la pression. Avec l'invisibilité de Fléchy, la malignance qui est complétée pour Abedagueux. Il n'avait pas au dernier teamfight, ça aurait pu encore plus faire la différence. Oh son Caliste, il n'a pas de flens. Ok, sidestep magnifique. Et Teneb sidestep là. On peut le chier un peu. Il est bien raté là de la part de 113. Un peu overkill et bien raté. Il a mis après... au cas où ça touche. Ouais, c'est quoi. Ça. Il l'a envoyé au cas où ça touche Caliste pour bloquer les adversaires. Mais vu que Caliste a dodge, bah il pouvait pas toucher les adversaires. Allez, Caliste. 129 CS. Bien dans sa game. Ok. Très bon chunk. Il a sa TP. Il a sa TP. C'est qu'un chunk comme ça, si t'as pas dans les parages, ouais. Se transformer en quelque chose. Voici Boy là-bas, Mainter qui se retrouve en. Ils sont deux potes de toute façon, ouais. En fait, c'est frais. Il va exhaust le Varus, c'est très bien joué, Mainter, dommage, le Q3. Bon, y a pas de wave. Oula, le Kennen. C'est bien qu'on ait les rals, parce qu'ils étaient tués devant, s'ils avaient les rals, ils auraient pu accélérer. Est-ce qu'on a l'info sur le Kennen? Je vois, y a 1 milliard de ping. On a l'info.
Faire ce bout de botte, ils vont prendre. On sait qu'il est là. Hein. En tout cas, on sait qu'il est dans les parages, il se passe quelque chose. Il y a une TP, attention à Bedagueu, il va mettre son ulti. Il va s'en servir ouais, pour s'échapper, il y a la TP de Sylvie, on peut juste pas match. On doit respecter. On prend le mid, je crois. Si on prend le mid, on est trop content. La T1 bot, elle était déjà morte. Et un top, elle était très low. On va pas prendre le mid, et ça, c'est dur. Et ça, c'est dur. 4000 gold d'avance là pour Schalke. On a une compo teamfight. Il va falloir être très clutch en teamfight. Envoyer les bons ultis. Parce que si on se loupe, c'est dodo. Gigason. Ah ouais, les deux premières games, c'était des stomps pour nous. Et là, ils nous sortent un très bon early game. On a un peu fait nimp en early. Le Jack là, il a ciel éventré, frère. Il a beaucoup de gold en vrai. Ah bah, en item, il sera fort, hein, mais c'est. Entre le 1 et le 2, il va mettre 100 ans quoi. Ça serait fait le deuxième item, temps de finir les bots et tout. Force au Drake. Ah, le Drake il est vu comme un singe cette game, il n'y en a pas un frère. On va bien finir par tomber. On va défendre notre vision là-dessus. On va finir par la récupérer, hein, mais. J'aime bien ce qu'on fait avec le Pike là. Hérald mid. Cette T1 elle est condamnée. Vous allez perdre votre tourelle au mid. Attention. Petit Maokai. Et ça c'est bien avec Maokai Pike, l'Hérald. Ouais, on peut peut-être se faire attaquer là. Ouais. J'aurais pas pris l'Hérald, mais c'est juste crash. Avec un multi CGNI à la réception. Est-ce qu'on voulait pas se faire attaquer là? Ah, sans ulti Maokai, je crois pas. Hein. Oh, si on fléchit, ça peut aller vite. Ça peut aller vite avec l'ulti Sejuani. Il faut le respecter. Attention, là, ils vont tenter un push T1 mid. Abedague, regardez le positionnement d'Abedague. Oh, très bien ça. Oh, dommage, il va se faire cancel. C'est pas grave, on a pris le shutdown. Est-ce qu'on peut aller plus loin? On a pris tellement de gold sur ce kill. J'ai éteint en 2 secondes, frère. J'ai pris le tir au Raku. Ah, l'ulti Sejuani qui a atteint Kaliste parce que là, il était bien là. Prenez la CGN et aussi C-Boy qui allait mourir. Fallait chercher la T1 top, oh fléchi, il a le reset, oh flash out. Il est mort. Il a flash in pour ça. Un peu trop greedy. Beaucoup trop même. Mais c'était bien essayé. Je pense qu'on n'avait pas le timing du flash de la CGN. En plus il s'est dit si j'arrive comme ça je le fais paniquer. À tout moment je prends le reset. T1 top, récupéré par Abedague. C'est bien ce mouvement, ça nous a rendu bien. Ouais. Shutdown mid, tour top. Premier Drake qui enfin tapé, contesté. Enfin quelqu'un vient le voir. Premier Drake Shemtek, t'as pas envie de le faire. Hein. Ah, je te jure. C'est que t'es fléchi le goat. Non, tranquille, c'est bien tenté en vrai. Ça passe pas, c'est, du coup, voilà, c'est, quoi, c'est pas clean dans le sens où. Y'a pas besoin d'aller chercher skill, mais. Celui-là, par contre, y'a besoin. Celui-là, par contre, ouais. Magnifique le kill récupéré par Mater. Gros travail de la part de 213 et Mater là-dessus. Y'a vraiment pas besoin d'aller là-bas pour aller chercher skill, mais s'il le prend après, derrière, il peut se passer des choses. Il peut débloquer la game et sa mort ne change pas grand-chose en soi. Parce qu'on récupère quand même la T1 top, le shutdown est tombé au mid, on a défendu la T1, on a pris la T1 mid. Tout était carré, tu vois. Tout était carré. Alors c'était un risque... Ah, Il est cuit. C'était un risque qui nous coûtait pas grand chose. À part les golds du kill, bien sûr. Mais qu'on aurait pu tout simplement éviter. Allez, Kalis qui va prendre la T1 bot. Tour bot, très bien. Très bien niveau macro. Hein. On a récupéré les 3 tours. Alors qu'ils étaient largement en avance en early. Ils le sont toujours d'ailleurs. Plus largement. Mais à un moment, ils avaient 4000 gold d'avance. Une TP d'Abe. Hein. On va réussir les lane, c'est pour ça que je joue comme un fou.
Je prends des push side et de toute façon là. Top bot, ça arrive ouais. aussi. Ouais. On a du boulot à faire avant de jouer. Kalis, il y a bientôt des items aussi, il faut attendre ça. Je pense qu'il a là maintenant peut-être hein. Non. Ah, il l'a pas. Non mais non. Varus il est vraiment bien dans sa game hein. Parce qu'il se prend 40 CS et il a 700 gold d'avance. Avec toutes les plates, mais il a eu 2 kills. Il est vraiment super heureux dans sa game. Ah mais tu vois le Jax, je suis pas forcément convaincu parce que... Genre ça a pas trop servi en lane. Il a pris un kill sur un gank hein. Je parle vraiment en pur 2v2. Ouais. Et... Ah, j'ai dit en blind, je vois pas trop l'intérêt, mais. En fait, là, tu mets une Camille à gauche, vraiment. Tu sais, ils peuvent... Camille à gauche, hein. Ouais, ils peuvent être vraiment terrifiants, ils peuvent vraiment mettre beaucoup plus la pression. Et sachant qu'il a pas gagné la lane, je dis pourquoi pas une Camille en fait à la place, tout simplement. Ça fait juste le tas pour mieux. Ouais, je sais pas. Ils doivent avoir une idée derrière la tête, hein, c'est sûr. Peut-être à l'époque, c'était un top laner au TP Jax, au début de sa carrière, et il a dit allez hop. Je vais l'intégrer à mon champ pool de support. Eh, le Tivaru c'est parti. On défend bien la tour, hein. Ils essaient de la forcer depuis tout à l'heure, ils arrivent pas. Ouais, c'est bien là, on les frustre. Et nous, il suffit de trouver un petit combo avec Abedagueux et Caliste. Wagonage comme des fous. Quand on va les forcer à venir. Hein. On va les forcer à venir face check, on a toute la vision en H, ils ont rien. Et on arrive. Ouais, allez, on peut y aller là sur le Varus peut-être. Non, wesh, il a pu. Wesh. Il a pu sortir. Ah, ça c'est dur ça. Ça c'est dur. C'est bizarre, Sulti, non, il veut pas sortir. Hein. Ah, peut-être c'est mode fake. Hein. Ok, le drift sur 113. Il va survivre. Aura, il va survivre. Ah c'est dommage parce que là ulti Aurora frère. Après il joue en connaissance de cause. Ulti Aurora MF là dans ce petit couloir. Ok l'ulti Manka il va être bien là. On va attraper le Jax non que... T'es aucun mec hein. Et là c'est Juani. On va te mettre sur la scène. C'est bizarre là je pense hein. Quel ulti MF si bon il va tomber c'est bien. L'arrivée de Mainter là il va être bien dans ce teamfight. On va attraper Simply. Le Jace qui est full CC. Le Jace qui ne peut pas s'exprimer mais Mainter non plus il prend trop de dégâts. Abedagueux sur le side, obligé de flash out, flash in de la part du Varus, est-ce qu'on peut pas flash in dessus? Si, le flash in de la part de Fléchy, shut down! Sur Caliste! Très bien joué. En vrai, ça va. Parce que je pense que Ken il flash direct dès le début. Ouais. Ça peut être chaud, hein. C'est carré. Très bon teamfight. Mon frère, qui restait à pixel HP tout du long. On voit un bon ulti là qui les force à reculer. La seule cible qu'on va attraper c'est la Sejuani. Bah c'est pas un problème, on va se battre contre cette Sage. La 113 qui survit, bon flash out sinon on se prenait cette flèche. Il va y avoir un fight entre Seiko et Abedagueux. Il aurait tué Maoke, il aurait tué Pike direct obligé ouais. Ah ça aurait été la merde. Après il serait mort. Ouais il serait mort, il aurait tué deux mecs, il aurait full espace, il aurait flash Kalis et tout. Pourtant en plus on a qu'une exhaust, on en a pas deux comme tout à l'heure. Ouais c'est pour ça, il y avait pas le cas santé sur lui. Moi je nage. Mon Jack sert plus à rien, ça y est hein. Ah bah là c'est pas 3 minutes c'est fini. Nash Ah même des Jacks jungle ils ont du mal à s'exprimer frère. Bah ouais, des Jacks sup frère. Après premier item t'es bien mais c'est tout quoi. Et encore il a eu la bonne game Jack sup hein. J'aurais trop aimé voir s'ils étaient un peu derrière en early frère. Derrière en early Jack sup On va finir par le finir le Nash il vient pas. Même pas TP ça me va moi. Écoute ça me va, attention, l'ulti MF Simply qui est déjà mort. C-Boy qui va suivre, non il va flash out, est-ce qu'on peut attraper Sacre? Il est quand même bien en HP, faire gaffe. Nashor qui a complètement reset. Ah, je me demande s'il n'y avait pas un monde où je vais finir. Et C-Boy est revenu, hein. il a une Warmog. Full regen, c'est bien la vision récupérée par Fléchy. Faudrait lui envoyer un petit spell là pour cancel sa Warmog. Ouais, full regen.
Il va full de chez full regen. Ouais, pas très bien. Ok, on va attraper Varus, il a pas de sub, hein. Il a pas de sub ce Varus, il est tombé, très bien joué de la part de 113. L'ulti de Kaden est bon, 113 qui va sûrement tomber avec Mainter. Le reset est récupéré par Fléchy qui va sauver 113. In extremis, il y a toujours C-Boy qui rôde dans les parages. Jax support, frère. Il sert plus à rien le Jax. Ouais. Le Varus, belle position de 113 parce que là, il s'est vraiment cru tout permis. Il est plus de summoner. Il a plus de Varus. C'est mis un range de W de Maokai, il faut pas abuser quand même. Il a bien réagi, il a tort direct. Frère, je l'ai vraiment vu. Comme dans ça, tu t'es dit, mais il est fou lui ou quoi? On a mis le Tiorora MF, c'était sublime. On a pas pu prendre C-Boy par contre, il a réussi à flash out. Frère, une Camille dans ça, un truc de ouf. Je sais pas. Tout est mieux de toute façon. Bah, n'importe quel champion. Hein. T'as dit, c'est encore ils counterbot et qu'ils arment. Non, regarde Peko, mais il est fou. C'est les hommes, Peko. Il n'y a même pas eu besoin de flash ou quoi, il s'est mis à rage de Z Maokai, genre. C'est les hommes de fou. Là, tu dis 113 va tomber et non. Yeah. Ah là, 113, on est bien, je pense. Ouais, hein. C'est bien, ouais. Hein. Ouais, dans ce couloir. Une TMF pour empêcher la mort de 113. Attention, l'ultivarus qui va connecter sur Kalis. Et on va carrément. Ouais. Oh là là là, tout le monde est bloqué, tout le monde est bloqué. Personne peut sortir. Regardez, Abedagu, il va de gauche à droite. Il est rend fou et twist avec son Jax qui va juste tomber. Et Kalis est instoppable. C'est pas moi qui le dis, c'est le jeu. Bon, ça m'a l'air pipe là, avec ce Nash. Hein. Ouais. Ouais, même sans ce Jax, hein. Vous auriez pu avoir réel support, frère. Vous auriez dû ban Aurora, ouais. Surtout avec les deux games d'avant, quoi. Après, ils se sont dit qu'ils avaient un plan pour le contrer. Là, ça a bien mieux marché, en tout cas. Hein. Ils ont bien cadenassé Abedagu en early game. Simply qui a fait une grosse lane avec son Jace. Et derrière, c'est Boy qui veut punir. Pas Aurora, arrête ça et tu peux pas laisser, wesh. Mais le truc, c'est que Aurora, MF. Dans tous les cas, il va trouver de l'utilité à Bedague. Hein. Et pas qu'un peu. Hop là. Pas grand chose à faire là-dessus. Hein. Juste, il les massacre, il les fait danser à droite à gauche. Tu vois, le Jace, il regarde en haut, en bas à droite. On ne parle pas de Kaliste, 5-0-6. Bah frère, c'est le quotidien. Ok, Abedagu qui va aller récupérer Simply. La dernière auto. 5-0-6 bon. Kaliste, ouais, il fait une game average. Comment Dezini, bouffant de game, hein. Ouais. 19h22, c'est pipe avec toutes ses pauses, il aurait pu finir à 18h. Jure. Allez, T3 qui va tomber au bot. Agréable ce BO. Agréable à regarder. Rappelle encore du monstre qui a écrit la honte. La bête. On joue mal en ce moment. Donc on a que éteint, frère, toutes les games à part une. Le hook, dommage, tu vas pas connecter. Ouais, faut battre par contre, je pense. Hein. Ouais, le Jax. Comment qu'on éteigne. On va juste éteindre. Quoi. Jax qui va flash out. C'est génial, en plein devant les balles. Elle peut rien faire. C'est fait rafaler. Je l'avais même pas vu carrément en pleine mêlée, frère. Éteindre la scène. Allez, les frères. Le Simus qui va tomber. Aïe aïe aïe, Abedagu qui va tenir aussi. Kaliste qui va prendre tous les kills là. Non, c'est Mainter, flash out de la part de Kaliste. Donne aucun buzz. GG. Double kill. Et les amis, nous sommes en quart de finale des Emmy et Master. Et maintenant, il fallait gagner un BO5 de plus. Voilà qui est. Il y aura sûrement une revanche hein, pendant ce quart de finale. Mon pote Flip, il est tout le temps là, lui. Ok.